Good morning, Aleida, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yisraq Befani et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Ketuvot. Perek Aleph, Mishnah Tet, Haïta me Uberet, de Amroula Mati, Voshel Uberze, Mishploni, de Kohen U. Rabban Gimel, Rabbi Eliezer, Omrim, Emenet, de Rabbi Yoshua, Omer, Lomi Piha, Anu Chayin, El Areizo, Bechezkat. Exactement la même situation que la Mishnah précédente, mais identique presque, il y a juste un tout petit ajout supplémentaire, comme ce qu'on va traduire ça. Aïta me oberet. Cette fois-ci, on n'a pas vu la femme qu'elle s'est isolée avec un étranger, mais on a vu qu'elle débarque avec un gros ventre. Donc c'est sûr qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un, et c'est une jeune fille, donc on ne sait pas avec qui elle a eu un rapport. Quelle est Vamroula Mativo Shel Obarze? Quelle est l'origine de ce petit fœtus, de ce bébé que tu attends dans le ventre, jeune fille? Et elle nous raconte, mais Ishploni Vekohen, où en réalité elle a eu un petit écart avec une petite aventure avec un tel qui est lui-même un Kohen. Lui, il n'est déjà plus là, le Kohen, il est déjà parti, mais en tout cas, il nous raconte donc c'est un juif cachère. Et la question est de savoir, est-ce qu'on va la permettre, cette femme, et imaginez qu'elle va ensuite accoucher une fille, est-ce que cette fille, elle doit être kshéra pour les Kohanim ou pas? C'est-à-dire, en fait, c'est ça, c'est ça qu'elle ajoute dans la mission, sur la mission précédente. Dans la mission précédente, on a parlé qu'elle s'est isolée, mais qu'il n'y avait pas d'enfant, et il y avait une marque loquette, est-ce qu'on l'a permis à elle ou pas? Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, ils nous disent qu'elle est permise à se marier avec les Kohanim. Et là, on va même permettre le bébé, les divra marchir bas, marchir bebita. Celui qui permet la femme, il permet même la petite, c'est ce que la Mishnah me dit tout de suite. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim, les deux Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer me disent, des Emenet que la femme ait cru que c'était un homme cachère, et elle va pouvoir elle-même, et même la petite, se marier avec même des Kohanim ou même avec des Israël. On ne va pas la prétendre que peut-être, si déjà elle se conduit de manière frivole, peut-être qu'elle ouvre la porte aussi à n'importe qui. Et on va peut-être soupçonner que ça provient d'un étranger. Et on va expliquer plus précisément, parce que j'imagine que vous avez sûrement une question par rapport au Rov, le principe de Rov, on va parler dans 30 secondes. Et sur ça, on a Rabbi Yoshua qui me dit, Rabbi Yoshua me dit, non, l'homme Pia Nuchaim, on ne peut pas se fonder sur cette femme. Et là, on ne peut pas se fonder sur les paroles de cette femme, parce que dans la mesure où elle se conduit de manière frivole, elle ouvre la porte, il y a aussi des gens pas très nets qui peuvent facilement entrer aussi, aucune raison qu'elle va commencer à trier avec qui elle a ses aventures. Donc, on invalide, on ne peut pas se marier avec cette femme. Elle a arezo becheskat meubert, on va la prétendre qu'elle est tombée enceinte, les natines au mamzer, d'un enfant qui était natine au mamzer. Ouais. Ah, tu t'avis, Raya, il va jusqu'à qu'elle rapporte une preuve qu'elle-même, elle est cachère. Qu'effectivement, la personne était bien quelqu'un de juste, de propre. D'accord? Ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. On va apporter quelques petites précisions un petit peu plus, parce que là, maintenant, vous devez sûrement vous dire, mais je comprends pas, c'est-à-dire quoi? On va voir une femme qui a eu une aventure. D'accord, on sait qu'elle a eu une aventure. Mais on ne sait pas avec qui. Mais le rove des imaginez dans une école juive, Chasbi Khalila, Shaloneda, qui a eu un problème. Alors quoi? Le rove des Bachorim, le rove des gens qui sont là-bas, ils sont des Tchérim. S'ils sont cachers, c'est des gens qui sont cachers. Ils font des bêtises. Mais en tout cas, ils sont cachers. Dans ce cas-là, il fallait partir selon le rov. On a une règle. Sholchin Chararov. On va selon la majorité. Mais là, si la majorité des gens, ils sont cachers, donc dans ce cas-là, l'aventure qu'elle a eue, on va prétendre, on va supposer qu'elle a eu une aventure avec quelqu'un de cachère. Pourquoi est-ce que tu vas l'invalider? C'est une question qu'on pose du Rabbi Yoshua doublement. Tu l'invalides à elle et tu l'invalides pour le petit. C'est trop, c'est méchant, c'est injuste. Pourquoi? Sur ça, en fait, ça se passe comme ça. Deux petites secondes. Alors sur ça, on a dit, bon, c'est ce qu'on dit bien frivole. Il y a une donnée importante juste par rapport au principe de Rov, d'accord? C'est trop vaste, c'est dur de donner un cours de Mishnah quand on sait ce qui se passe dans la Gemara, tellement que ça va dans tous les sens. Mais on va essayer de donner comme une petite notion. Vous savez que en deux situations, on trouve 9 magasins, ça reste dans le Mishnah de Rolim, 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande pas cachère. On trouve un bout de viande au milieu, on a le droit de ramasser ce bout de viande et de le manger, parce qu'il est cachère selon le Rov,
selon le principe Kol de Parish, Miruba Parish. Tout ce qui est Poresh qui va sortir, ça vient du Rov. Tu trouves un morceau, tu soupçonnes, tu supposes que c'est venu du Rov. Le Rov des magasins sont cachés, on a le droit de le manger. Mais si toutefois on a quelqu'un qui est rentré dans un magasin, il ne sait pas lequel, il est rentré dans un magasin, acheter un bout de viande, alors là, ça devient assaut. On ne peut plus. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on juge selon le Rov, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui est sorti du Rov et qui est parti à l'extérieur, et on le regarde maintenant d'où il provient. Mais si on est dans un magasin, alors là, on rentre dans le problème du kavua, quelque chose qui est plus fixe. Il n'y a pas de logique statistique. La statistique, ça reste la même. D'accord? Mais à partir du moment où tu es rentré dans un magasin, le doute que tu as, c'est pas d'où ça vient, c'est dans quel magasin tu es entré. Et dans ce cas-là, il y a un principe qui fait que notre doute, il est juste, c'est que tu es rentré dans un magasin cachère ou pas cachère. On ne dit pas que tu as 9 chances que tu es rentré dans un cachère ou pas cachère. Là, ça devient kavua. Dès qu'on va à l'endroit, quelque part, eh ben, ça devient un safek qui s'appelle kavua. C'est plus une prisha. C'est-à-dire, quand tu dois... Ça vient d'où, ça? Ah, ça peut venir de là, ça peut venir de là. Dans le doute, on dira, ah ben, 9 bonnes raisons qu'il est venu d'un endroit cachère. Mais si jamais on est parti là-bas, et est-ce que tu as appuyé sur le bon bouton, tu es parti au bon endroit, tu pas parti sur le bon endroit, là, dans ce cas-là, ça devient un safek qui est jugé à 50-50, parce que la nature de notre doute, elle est juste, est-ce que tu es parti dans le bon ou pas dans le bon? Mais tu es parti dans un seul magasin, en fait. Soit dans le bon, soit pas dans le bon. Et dans ce cas-là, ça devient un safek qui est établi à 50-50. Selon ce principe, maintenant, je reviens sur la femme. S'il y avait le monsieur, quelqu'un qui est sorti de la ville, qui est parti, elle est à l'extérieur, on sait qu'ils sont partis, elle est partie, elle a eu un rapport à l'extérieur de la ville. Et donc quelqu'un qui est sorti de la ville avec elle. Là, ça devient un safek que selon le Rov, c'est cachère. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se fonde pour permettre selon Rabban Gamliel de Rabbi Eliezer. Mais si toutefois, elle est partie dans la maison de quelqu'un, hein, elle a eu une aventure avec quelqu'un, mais qu'elle est partie chez lui à la maison. On ne sait pas chez qui elle est partie, on ne pourra plus sonder sur le Rov. Et si on ne peut plus sonder sur le Rov, dans ce cas-là, ça devient, dès qu'il y a une personne invalide dans la ville, peut-être qu'elle est partie justement chez elle spécifiquement. Et selon ce principe, maintenant, ça peut être aussi un avis pour Rabbi Yoshua qui va invalider la femme, parce qu'en fait, allez savoir, elle est partie, et est-ce que c'est quelqu'un qui est venu chez elle? Elle qui est partie chez lui, on ne peut plus fonder sur elle, et dans ce cas-là, Rabbi Yoshua va l'invalider. Mais la halakha, dans toute sa halakha, elle est établie comme Rabban Gamliel. C'est quand même bon à savoir que malgré tout, les khatrila, on évite qu'un Kohen prenne une femme qui a eu une aventure pareille, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a pu faire. Malgré tout, pour le garder le yichus des Kohanim, on veille à ce que les Kohanim, au moins, aient une femme très meyoukhesed, sinon ça peut faire l'aide de naissance à des Khalanim, Khuzé Shalom. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.